access to nightclubs, many are addicted to very futuristic nightlife for natural reasons. They listen carefully to the national prison system. The poor people in Paris and the rich ones too love what they should like. Jive, qui c'est qui m'a foutu ce fauteuil si loin, bordel? Oh non, pas dans l'autre sens, un verre là. Bonsoir. Ah, mon public. Mon cher public, mon public chéri, mon public adoré, mon public à moi. À moi. À moi. Au secours. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai oublié un truc. Non, j'ai mis ma culotte. Vous êtes venus m'écouter, c'est ça? Ils sont partis? Ou ils sont muets? Vous êtes venus m'écouter, c'est ça? Oui! Oh, bah dis donc, pas si fort, merde! Bah, ça tombe bien. Je voulais justement vous raconter une histoire. C'était en... Ah ben ça pour emballer, j'en ai emballé. J'ai eu mon heure de gloire en 42 à Berlin. J'avais un numéro, je vous raconte pas. Ben ce serait dommage, hein. Je vais quand même vous raconter. Tali da do da da. Pa-da-doo-da-da-dee-da-da-da. Param, param, param. Il s'est nous tout là à ma clavicule. Ali-da-pou-da-da. I-la-la-la-la-la-la-la-la. A-la-di-ou-da-di-la-la-la-la-la-la-la. I-la-la-la-la-la. Elle a encore de vieux restes, hein, mamie. D'habitude, je termine par un striptease, mais là, rassure-toi, je vais pas vous le faire. J'étais très demandée. Et puis un soir, j'ai rencontré Hans. Le colonel Hans von Schatzmüller. Ah, il était grand, il était beau. Il sentait bon le schnapps chaud. Un peu pédé tout de même. Mais ça ne l'a pas empêché de très bien s'occuper de moi. Et puis un soir, il a quitté mon cul pour le front. De l'Est. De l'Ouest. Oh putain de mémoire. Moi, je suis rentrée à Nantes. Tout mon public était là, j'ai fait un retour triomphal. Je voulais justement une couleur. Ils ont insisté pour me faire la coupe. J'ai cédé, ça leur faisait tellement plaisir. Je m'arrête quand je veux. Hans. Hans von Schatzmüller. Je l'ai revu un soir, tard, dans un documentaire. Sur Arte. Tu l'as vu? Ah, il était beau en uniforme sur un char. À la Gay Pride de Buenos Aires. Et il avait l'air heureux.
ça fait mal, hein? Ah, ça, pour emballer, j'en ai emballé. J'ai eu mon heure de gloire en 42, à Berlin. J'avais un numéro, je vous raconte pas. Ah! Et ça fait mal. Ah, ça pour emballer, j'en ai emballé. J'ai eu mon heure de gloire en... Je vous l'ai déjà dit. Oh, putain de mémoire. Ah, un numéro magnifique. Vous demandiez Natacha et vous tombiez sous mon charme. Oui, bon, maintenant, c'est mon charme qui est tombé. Oh, un numéro magnifique, hein? Ça s'appelait la chatte volante. Hein, traduit, il a été traduit en allemand, Mein liebe Schatz. Et en italien, la chatte est mi cantare. T'as pas un cendrier, chérie? Ben, rentre chez toi, tu sers à rien, merde. Bon, la carpette, ça crame. Le coton, ça crame. Il y a tout qui crame aujourd'hui. Oh! Et ça fait mal. Ah, je terminais toujours mon numéro par une bonne blague allemande du 19e siècle pour sourds et muets. Oh, je peux pas m'en empêcher, je vous en fais une petite. Ouvrez bien vos oreilles. Oh, on savait rire en ce temps-là. Aïe, 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 oh, oh, oh. Une dernière. Est-ce que je vous ai déjà raconté pourquoi on disait « Aïe, Hitler » ? Oh, merci, il y en a une qui suit. En fait, c'est l'histoire d'un jeune soldat très, très maladroit qui apportait un télégramme au Führer. Il est arrivé, il est tombé. Aïe, Hitler! Ah, vous imaginez s'il avait eu le hoquet. Ou pire, la diarrhée. Hitler. Mamie, 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 mamie. Hé, hey, mamie, t'as pas vu mon petit chat, j'ai Arjuna, on m'a offert un petit chaton. Non? Hé, hey, mamie, pourquoi? Oh, pardon. Je croyais que c'était ton bras. Et heureusement qu'il n'y a pas du lait qui sort, hein. Hé, hey, mamie, 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 pourquoi? Pourquoi maman, elle dit tout le temps, toi, t'es pas désiré. Ben moi, je sais que je suis pas désirée, hein. Moi, je suis Natacha. Mais mamie, est-ce que tu crois qu'un jour, on pourrait m'appeler Georges? Parce que Georges, c'est un prénom de garçon, et les garçons, c'est les plus forts. Et même que Georges, c'est quand même plus joli que pas désiré, hein. Hé, hey, mamie, mamie, pourquoi? Pourquoi maman, elle veut toujours jouer à cache-cache avec moi dans la cave? En plus, elle oublie toujours de venir me trouver. Et moi, maintenant, je suis trop forte, hein, je sais compter jusqu'à 450 000. Et même que je suis trop forte parce que je connais toutes mes tables par cœur. Et celle que je connais le mieux, c'est ma table du garage. Parce qu'il lui manque un pied, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre ma table de droit. Et moi, quand je serai grand, je veux devenir un écrivaine. Attends, je vais te montrer, regarde ce que je sais faire. Je t'écris lentement parce que je sais que tu ne lis pas vite. C'est pas fini. Attends. Je tape fort parce que je sais que t'entends rien. Et la ploute, la machine, elle pleure bleue. Et moi aussi, hein, j'ai une pleure bleue.
Eh, mamie, non, je sais, moi quand je serai grand, je veux devenir meneuse de revue comme maman et comme toi avant. Si, j'ai inventé un nouveau pas de danse. Regarde, je te montre, attention, ne pas reproduire à votre maison. Georges, tu veux jouer un super-héros? On va jouer à Musclor. Si, tu sais, celui qui a des moon boots, un slip et des lanières en cuir. Si, le sixième membre inconnu des Village People. Tu sais, il transforme son tigre peureux en vaillant animal par le pouvoir du crâne ancestral. Attends, je vais chercher les petits couteaux de boucher. T'es prêt? Par le pouvoir du crâne ancestral! Georges? Ben, je t'ai transformé tellement vite que tu t'es transformé en deux chats. Mamie? Non, je fais pas des bêtises, hein. Dis-moi, mamie, je voulais savoir, est-ce que toi, t'as été un chat dans une vie à l'intérieur? Non, parce que le chat, il fait comme toi. Sauf que lui, il pue pas de la bouche. Mais il perd ses poils, comme toi. Et mamie, est-ce que c'est vrai qu'un chat, il a 7 vies? Alors, ça voudrait dire que si, comme ça, de par un accident, comme de par hasard, on aurait découpé un chat en deux, ça voudrait dire qu'il aura 14 vies? Et c'est trop beaucoup, hein? Et, mamie, alors, ça veut dire que toi, t'as... Ça veut dire que toi, t'as combien de vies à l'intérieur? Ah, merde. Monsieur Bernard Martin, je suis votre avocate commise d'office. Nous nous sommes vus tout à l'heure, le juge souhaite que nous plaidions tout de suite, alors je vous demanderai de vous en tenir au strict minimum. Vous ne regardez pas la plaignante, vous répondez par oui ou par non, et si on vous demande si vous avez quelque chose à ajouter, vous dites que vous êtes désolée. Allô, qu'est-ce qu'il a? Il est bourré? Il est muet? Il est sourd? Comment ça se passe? Bon, t'as pas l'air d'avoir compris, donc je te réexplique. Je suis la seule pauvre connasse disponible pour plaider ton affaire de merde. Je vais te payer au lance-pierre pour te sauver les fesses. Donc on va faire simple et rapide, parce que moi, à 22h, j'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec un mec après lequel je cours depuis plus de 6 mois, et ça fait plus du double qu'on ne m'a pas touché. Et ça, ça fait mal. Alors tu la fermes, tu baisses les yeux, et en revanche, si tu peux faire semblant de verser une petite larme à la fin, ce serait vraiment super, parce que tu vois, ça va choper le jury, et là, ça va être... touchant. C'est pas gagné, hein. Monsieur le Président, tout ceci est une regrettable méprise. Mon client n'a jamais violé Natacha. Mon client est plutôt bel homme. Si, si. Mettez-vous de profil. En tout cas, il n'a jamais eu besoin de forcer qui que ce soit à avoir une relation sexuelle avec lui. Lui. Il est d'ailleurs d'une probité exemplaire. Non, Bernard, probité en un mot. Et cette soif d'apprendre, c'est touchant. D'ailleurs, pour vous faire une petite confidence, tout à l'heure, au parloir, histoire de le détendre, je lui ai proposé de lui faire une petite fellation. Il a refusé. Tout à fait, monsieur le Président, là n'est pas le propos. La vérité, monsieur le Président, est simple. La vérité est que Natacha a regretté d'avoir couché avec mon client. Alors plutôt que de prendre la pilule du lendemain, une bonne douche au Karcher, de s'enfiler 3 litres de glace à Gendas et de passer des heures au téléphone avec sa meilleure amie à pleurer, elle a préféré porter plainte.
Ben, ça coûte moins cher, ça donne du travail aux journalistes du Parisien, ça fait pleurer dans les chaumières, mais ça nous fait à tous perdre notre temps, monsieur le président. Elle a crié non, arrêtez. C'est vrai. Mais que la femme qui n'a jamais émis d'orgasme négatif lui jette la guêpière. Moi-même, en ce qui concerne les guêpières, j'ai une petite collection papiquée des hannetons qui pourrait en surprendre plus. Mais là n'est pas le propos. Alors certes, certes, cette cave n'était pas le lieu le plus romantique. Mais toi, je vous rappelais, monsieur le président, que mon client souhaitait simplement vendre la dernière chatte de la portée, et c'est vrai que l'opération ne s'est pas faite sans mal. Pourquoi il lui a volé sa petite culotte? Très bonne question, monsieur le président. Mon client souhaitait simplement installer les effets personnels de sa nouvelle amie dans son logement. Il vous a d'ailleurs, il me semble, réservé les deux tiroirs du haut de la commode, ce qui est une preuve, un gage d'amour dont vous devriez prendre toute la mesure, Natacha. Oui, monsieur le président, je viens. J'y viens, j'y viens. Oui, c'est vrai, mon client n'est pas un saint, Bernard. Oui, il a déjà volé. Oui, il a déjà racketté. Oui, il a déjà séquestré, mais violé, certainement pas. Tué ? Ah oui, oui, autant pour moi. 1984, avant de la découper en morceaux et de la manger. Mais dois-je vous rappeler, monsieur le président, messieurs, dames du jury, qu'à cette époque, c'était déjà la crise ? Et qu'il fallait bien se nourrir. Et grâce à cette démonstration de force, mon client a alimenté la nécessité de créer les restos du cœur. Mes conclusions seront simples, monsieur le président. Ce que je crois, c'est que c'est Natacha qui a allumé mon client. Oui, parfaitement allumé, n'ayons pas peur des mots. Natacha, tout le monde sait que c'est un prénom de cochonne. Là n'est pas le propos, monsieur le président, et c'est bien là le problème. Ce dossier est vide, complètement vide, ce qui n'est pas le cas de Natacha. Enceinte de 4 mois. Alors qu'elle s'estime heureuse que mon client ne porte pas plainte pour non-prise de contraceptif et délit de conception d'un enfant dans le dos. Monsieur le président, messieurs, dames du jury, je suis certaine que vous prendrez toutes les décisions qui n'obéiront pas l'avenir prometteur de mon client. Non, Bernard, prometteur en un mot. Et si vous pouviez délibérer assez vite, ça m'arrangerait, faut que j'en file. Faut que je file, d'abord, en tout cas. Ben oui, Natacha, tout le monde n'a pas une vie sexuelle épanouie comme vous. Moi, ça fait plus d'un siècle qu'on ne m'a pas tronché, je peux vous dire que ça va pas tarder à avoir une incidence sur mon travail. Merci, monsieur le président.